Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau direct de sorcellerie.net. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la sorcellerie, mais en Chine, l'histoire de la magie, partie 2, parce qu'on sait que la partie 1, on avait parlé des débuts de la magie depuis nos ancêtres les plus reculés jusqu'à l'Inquisition. En théorie, par rapport à l'Europe, puis on serait pas mal rendu à l'Inquisition, mais je vais comme faire une pause pour cette histoire-là, pour parler un peu plus des histoires de la magie un peu plus partout dans le monde. Cette fois-ci, ça va être en Chine. Je vais parler de la magie chinoise, en fait. En fait, je crois que vous allez réaliser qu'on en connaît quand même un peu par rapport à cette magie-là, parce que elle a comme jamais vraiment disparu. Donc, en Chine, ça a commencé par la divination, évidemment, parce que dans tous les peuples, on veut toujours savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va suivre dans le futur, comment essayer de contrer les malheurs qui pourraient arriver. Donc, la divination serait arrivée entre moins 1300 puis moins 2000. En fait, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, bien sûr. Il y avait c'est surtout la scapulomancie qui était très populaire. La scapulomancie, c'est la divination qui est faite avec les omoplates. Donc, les personnes prenaient l'omoplate d'un animal. Je peux pas totalement renier le fait qu'il y a eu, les sacrifices humains étaient quand même assez populaires. Populaire, je dirais, ça s'est fait partout dans le monde, en fait, mais majoritairement, c'était les animaux qui étaient utilisés. Ils analysaient la façon que la viande était attachée à l'omoplate, ou littéralement, ils écrivaient, ils gravaient sur l'omoplate. Il y a d'autres façons. Il y a la pyro-ostéomancie, qui est le fait de mettre l'os, littéralement, dans le feu et d'analyser la façon que le feu, l'os réagissait en brûlant. Donc, une forme de divination assez originale, disons-le. La pyroplastromancie, qui est en fait, à un moment donné, à la place d'utiliser les omoplates, ils utilisaient aussi la carapace d'une tortue. À l'intérieur de la carapace, ils gravaient des symboles, ils gravaient des questions, parce que la tortue était considérée comme un animal fort et stable, donc était quand même très 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 prisé dans la divination. Dans l'utilisation de la scapulomancie, ils gravaient les questions sur l'omoplate elle-même, et c'était comme une question qui était liée à leurs ancêtres, parce que comme on va le voir plus tard, la Chine est très 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 attachée à leurs ancêtres, à leur lignée. Et c'était gravé sur la surface de, tu sais, comme de l'os, d'animal ou humain, tout dépendant la puissance qu'on voulait. Il y a aussi la double divination qui était utilisée. Sur l'os de l'omoplate, il perçait deux trous. Et la façon dont l'os craquait, il croyait que c'était les ancêtres nous parlaient par ces craquements-là. C'est comme s'il entendait la voix des ancêtres par le craquement de l'os. Causé par les trous. Entre 1600 et 1046 avant Jésus-Christ, pendant la période Shang, parce qu'il y a eu beaucoup de périodes en Chine, puis chaque période correspond à une croyance quand même assez spécifique, mais les Chinois étaient très, très, très axés sur, ils ont beaucoup recherché les raisons, cherché à voir que c'était quoi l'univers. Il y a eu beaucoup d'avancements liés à ça, contrairement en Europe, que l'Église catholique a essayé de vraiment bloquer beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui était recherche, tout ce qui était découverte, pensée. Il fallait vraiment croire et c'est tout. Bref, pendant la période Shang, la divination a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué et les rituels complexes ont commencé à débuter. Quand je parle de rituels complexes, c'est surtout lié à l'esprit des morts, des défunts, parce que les vivants puis les morts, les Chinois croient qu'on vit dans des mondes parallèles et on peut communiquer d'un monde à l'autre, c'est possible, mais très difficile et aussi c'est dangereux. Il y a différents portails qui existent entre les vivants et les morts.
comme par exemple les tombes, les temples, les lieux à offrandes qu'on va parler plus tard, les autels, puis le sommet des montagnes, parce que le sommet des montagnes, les Chinois ils bâtissaient beaucoup de temples dans ces sommets-là parce qu'ils croyaient que l'âme des morts allait rejoindre le sommet des montagnes. C'est un lieu de pouvoir, un lieu de puissance. Donc, les temples à cet endroit-là étaient très bien entretenus avec des offrandes et des prières pour les défunts. Oui, les défunts étaient très, très, très importants. Les Chinois croyaient pas vraiment en l'existence de Dieu, mais plus en l'existence d'êtres suprêmes. Eux croient que l'âme, l'entité, l'ancêtre le plus vieux était la forme divine créatrice qui était appelée Di. Là, je sais que je le francise au coton, mais j'ai aucune idée comment que ça se disait, ça se dit en chinois. Fait que c'est Di, Dai ou je sais pas. Justement, c'est l'ancêtre le plus vieux, le plus puissant. Qui existe, qui est suivi ensuite par quelques dieux mineurs et quelques entités naturelles comme la terre, les rivières, les montagnes. Les ancêtres aidaient les vivants seulement si les offrandes étaient faites correctement, de façon respectueuse. Plus la lignée était prestigieuse, parce qu'évidemment, quand que je parle d'ancêtres, c'est nos ancêtres directs, père, grand-père, arrière-grand-père, et etc. Les ancêtres, c'est pas un groupe d'esprits qui aide les vivants en général. C'est vraiment lié à la famille, à la lignée directe. Plus la lignée était prestigieuse, c'est-à-dire que les ancêtres étaient reconnus, étaient du monde qui avait fait des bonnes choses, qui étaient puissants, mais ça rendait les ancêtres de plus en plus puissants. Donc, quand la lignée, les personnes, je sais pas, je donne un exemple, un empereur, les lignées d'empereurs, ben les ancêtres de cet empereur-là sont excessivement puissants parce que à chaque personnage, ils étaient de plus en plus puissants. Donc, ils gardaient leur prestige en aidant leurs descendants à être prospères et en santé. Donc, pour les ancêtres, pour devenir plus puissants, eux, ben, en aidant leurs descendants, ben, ça les rendait plus puissants parce que leurs descendants étaient puissants. Donc, ça rendait leur lignée très prospère, très, très grande, très puissante. Les offrandes étaient de la nourriture qui est humide, chaude, des boissons aussi, ou littéralement des sacrifices. Et là, quand que je parle de sacrifice, ça peut être n'importe quel type de sacrifice, autant humain, autant animal, mais c'est surtout animal. Mais plus qu'on voulait avoir une offrande puissante, t'sais, c'est sûr qu'en sacrifiant un être humain, le message, t'sais, l'appel qu'ils font à leurs ancêtres est évidemment plus puissant. Les Chinois croient que chaque personne a une influence dans le monde, que ce soit positif ou négatif. En fait, c'est la base de leur magie. Eux, ils se réfèrent pas à des dieux pour dire « Ah, tout ça, c'est de la faute à tel dieu qui nous a envoyé tel malheur. Ah non, c'est tel événement qui est arrivé. » Eux, ils sont capables de prendre sur eux, d'accepter leurs responsabilités de leurs actes, parce qu'ils croient que l'univers est tout lié. Donc, si eux font quelque chose de pas correct, évidemment, ça se répercute sur l'univers et l'univers leur envoie des tsunamis, par exemple. Donc, ils prennent vraiment personnellement tout ce qui arrive. Pour ajouter aux offrandes, contrairement aux Grecs, par exemple, les offrandes faites dans l'Ouest, les Grecs, eux autres, ils cuisaient la viande des animaux sacrifiés pour attirer l'attention, avoir des faveurs de leur dieu. En Chine, c'était plus, comme je disais, c'est bon, oui, c'est de la nourriture, nourriture bouillie, idéalement chaude, de la boisson chaude aussi, ou ça peut être de la nourriture cuite vapeur, par exemple. Ça envoie les vapeurs aux défunts pour attirer leur attention, pour attirer leur faveur, les aides, pour pouvoir leur parler, pour avoir des conseils. Les penseurs chinois, avec le temps, ont développé une systématique de l'univers. En fait, ils font des liens entre beaucoup d'aspects du cosmos puis du corps humain. On le voit aussi dans plusieurs, tu sais, la médecine chinoise,
quand que, bon, il relie le corps, les symboles, ici, le pied, par exemple, tout est lié avec les parties du corps, ça fait un peu partie de leur forme de pensée. Il y avait l'astrologie qu'on connaît tous, évidemment, les Chinois en ont pas manqué, l'astrologie qui connecte. T'sais, qui nous connecte avec justement, t'sais, comme le cosmos, les étoiles, les planètes. Il y a l'alchimie, qui est une manipulation chimique, en fait, une recherche d'immortalité, qui est en fait les bases de la médecine chinoise aussi. Je parle de philosophie Han. Han, c'est une époque où est-ce qu'il y a eu beaucoup de développement en Chine au niveau spirituel. C'est pour ça que je parle un peu plus de philosophie. Ils mettent l'emphase de cause à effet avec une importance sur les cinq éléments. Puis là, je parle de cinq éléments parce que vous allez voir qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes éléments qu'on a l'habitude. Le bois, l'eau, feu, métal et la terre. Donc, pour eux, ils voient ça comme un cycle. Et à chaque cycle, il y a des événements qui arrivent, ça bénéficie certaines personnes. C'est quand même assez complexe comme système. Eux, ils essayent de voir un peu, t'sais, avec t'sais, les couleurs, les nombres, les directions. En fait, tout a une influence. Ils essayent d'analyser absolument tout ce qu'ils peuvent avoir, tout ce qu'il y a. Il y a le début de la forme de pensée du yin et du yang, qui est un peu, t'sais, qui est lié aussi au qi. Parce qu'on a tout entendu parler du ki, qui est un flux d'énergie, t'sais, on se connecte notre corps pour essayer, t'sais, c'est comme la source du pouvoir, c'est comme la source de l'énergie humaine. Les principes de similarité, sympathie, antipathie, qui mènent au Yi Qing vers les années 771 à 221 avant Jésus-Christ, c'est vraiment un gros développement qui s'est fait sur plusieurs centaines d'années. C'est en fait la similarité, sympathie et antipathie, c'est entre les aspects du monde qui mènent au questionnement par rapport les ancêtres, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et tout, et les autres détails comme par exemple déterminer l'état du monde par le mouvement des oiseaux, par le mouvement des rivières ou des différents cycles qui arrivent dans le monde. Parce que les Chinois, ils croient que si on fait quelque chose de mal, l'univers va répondre, va nous faire un retour du mal qu'on a fait. Donc, quand un empereur était, par exemple, t'sais, faisait beaucoup de mal, ben systématiquement, ça créait des cataclysmes qui étaient directs, t'sais, qui attaquaient, je dis attaquer, qui affectaient, c'est le mot que je cherche, qui affectent le peuple chinois. Donc, les Chinois essayaient le plus possible de faire le bien, d'être bons justement pour éviter, pour se garder en santé, évidemment, et aussi essayer de rester connectés avec l'univers. Là, je peux pas dire que en Chine, il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu de combattants, puis il n'y a jamais eu d'empereur conquérant. Non, mais là, on parle vraiment de croyances par rapport à la magie en Chine. Bon, donc, il y a eu j'ai dit le Yi Qing, mais c'est le Yi Jing, qui est, on appelle aussi le I Ching, qui est le livre des changements, qui considérait que, justement, tout est lié dans l'univers. Quand il se passait quelque chose dans l'univers, on pouvait vraiment, le lire pour prédire l'avenir, pour prédire ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi que c'est arrivé, parce que nous, on a un lien direct avec l'univers. Entre 475 puis 221 avant Jésus-Christ, il y a eu une lente disparition de la vénération des ancêtres. Je dis une lente disparition, mais les Chinois encore aujourd'hui sont très attachés à leur lignée, sont très attachés à leurs ancêtres. Ils ont arrêté de les vénérer comme qu'ils le faisaient avant, mais reste que c'est leur lignée, leur descendance ou leurs ancêtres sont très, 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 très importants encore aujourd'hui dans leurs croyances, dans leurs pensées, leur façon de vivre. Donc, je parle de lente disparition, mais le concept reste encore là. Qui a été remplacé par le confucianisme. C'est lié à Confucius. En fait, Confucius en Chine, c'est une personne qui a réellement existé. Son nom, c'était Confuzi, qui a été. Les Latins l'ont appelé Confucius, mais son vrai nom, c'est Confuzi, qui est le maître Kong. C'est ça que ça signifie.
C'est une doctrine morale et sociale qui essaye de remédier à la décadence spirituelle du peuple ou du monde en général. C'est des pensées, c'est une façon d'essayer d'évoluer un peu plus. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, cette forme de pensée-là, parce que la femme n'était pas très présente là-dedans, parce que malheureusement, il y a beaucoup de lieux dans le monde où est-ce que la femme était pas reconnue, était pas vue à sa valeur, en fait, égale à l'homme, ce que je veux dire. Donc, c'était remplacé par le confucianisme et le taoïsme. Ça, je suis sûre que vous savez ce que c'est. Je vais quand même l'expliquer. Le taoïsme, c'est une religion, en fait, des exercices et un style de vie qui permet de relier, d'harmoniser, en fait, le yin et le yang. On va commencer par ça, qui est la terre et le ciel, visible, invisible, le monde souterrain, le ciel. C'est une harmonisation de tout ça. En fait, c'est justement, comme je disais, toute l'activité au sein du monde en général, l'univers, qui est le macrocosme, doit être précédée. On doit commencer par faire une mise en ordre de notre intérieur, à l'intérieur de nous, de notre corps, de notre esprit, qu'on appelle le microcosme. Bref, si nous, il y a une tempête en nous, qu'on n'est pas bien, qu'on se sent pas bien, qu'on n'est pas en santé ou que mentalement on n'est pas en paix, ben évidemment, on peut pas essayer, l'univers ne peut pas être en paix. Donc, c'est un lien direct. Fait que le taoïsme, c'est vraiment de se recentrer sur nous-mêmes pour essayer de le projeter sur l'univers en général. Eux utilisent beaucoup le ki, justement, pour essayer de puiser l'énergie que nous, on a. Et il y a, le nom m'échappe, il faudrait que j'ouvre mes livres, le nom m'échappe, mais il y a une technique qui permet de vraiment, il appelle ça la technique de la non-action, de l'inaction, pour vraiment, tu sais, comme se connecter à l'univers et pouvoir avoir tout le pouvoir qui en découle, qui est là. Donc, je parlais justement de taoïsme, qui sont devenus la fondation de la culture chinoise à partir de 220 après Jésus-Christ. Évidemment, par la suite, est venu, il y a eu l'introduction du bouddhisme, mais ça, on n'en parlera pas. L'ancienne pratique de divination, la scopulomancie particulièrement, est remplacée par le yiking. L'astrologie, la géomancie, ça, la géomancie, c'est toutes sortes de petits points, c'est quand même de quoi d'assez compliqué. J'en ai parlé sur le direct sur les arts divinatoires. Vous avez juste à vous relier avec ça. Et les almanachs. Il aimait beaucoup les almanachs, qui est une espèce de livre de prédiction de ce qui va arriver au courant de l'année. Les almanachs qui existent encore aujourd'hui, puis que les Chinois aussi adorent encore aujourd'hui. Dans cette période-là, les rêves deviennent importants aussi, autant pour la divination que pour le fait de parler avec les morts, avec ses ancêtres. À ce moment-là, les dirigeants commençaient à avoir de plus en plus peur des morts. Et il montrait que les morts qui apparaissaient dans les rêves, il y avait aussi des cas de harcèlement, probablement des victimes qui harcelaient leur agresseur, peut-être pour ça que les dirigeants avaient un peu peur d'eux. Et eux autres avaient développé une méthode pour pulvériser puis dissoudre, t'sais, pour empêcher ces harcèlements-là, en mettant de l'acide sur le cadavre de ces morts-là, pour vraiment les dissoudre, les détruire littéralement pour avoir la paix. En Chine, chaque section de la magie avait ses spécialistes, comme un peu partout. Il y avait ceux qui sacrifiaient pour les morts, ceux qui faisaient des sacrifices, en fait. Il y avait des médiums qui parlaient aux esprits, bien sûr. Il y avait du monde qui interprétait les présages pour essayer de découvrir ce qu'était le futur. Puis il y avait les magiciens. Les magiciens, eux, faisaient à peu près n'importe quoi. Ils envoyaient des maléfices, ils faisaient des tours de magie assez exceptionnels. J'ai lu plusieurs histoires comme quoi qu'ils réussissaient à faire danser des villages entiers par leur pouvoir magique. Là, je parlais de ki, les flux d'énergie qui sont partout dans le corps, mais aussi entre chaque humain. Autour de l'humain, qui ressemble un peu à notre aura.
qui était connue par tous et on entend beaucoup parler du feng shui. Le feng shui, en fait, qu'on essaie de placer des items à des endroits précis dans la maison pour essayer d'harmoniser les énergies, de rendre la maison un peu plus puissante, un peu plus harmonieuse. Donc, on voit un peu l'harmonie là-dedans. Mais Hein? ça, Hein? Hein? est-ce que c'est feng shui? On Hein? On sait pas? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? sait pas. On a une grosse surprise aujourd'hui! Hey, attends un peu, viens-t'en, viens-t'en! Salut, Led Breeze, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui! Hey, on a vraiment une grosse surprise. Ma chaise, elle est grande. Demain. Ay, oui! Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai pas mal terminé ma magie. Un peu, on va faire ça, regarde, merci à tous, mais ça, on va revenir là-dessus partout, tantôt. Donc, bonjour! On a quelques surprises. Debuise elle-même, c'est une surprise. Yeah! Je suis contente que tu sois là. Je veux remercier justement nos contributeurs Patreon et surtout pour la musique. Merci Greg Hodred, c'est vraiment gentil. Il a composé la musique de sorcellerie.net exclusivement pour sorcellerie.net. Donc, vous ne la trouverez pas nulle part, c'est une exclusivité. Merci beaucoup d'avoir composé la musique pour nous. Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. On va aller boire du thé. Oui. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci.